carême, c'est certainement, ça doit être le mois de piété. Mais dans nos traditions, nous aimons bien sûr préparer des plats, et notamment, aucune table algérienne ne manque d'avoir le classique burek, la classique frite et la classique galette. Vous savez, toute la journée, la maison est calme parce qu'on est fatigué, parce que c'est calme. Nos enfants, en général, s'ennuient toute la journée. Et voilà que quelques minutes et quelques secondes avant l'iftar, il y a une certaine animation au niveau de la cuisine. Tout le monde court et la maman est tellement stressée, pressée, parce que malheureusement on veut manger chaud, et qui n'est pas bien de manger chaud, mais on veut manger chaud et on court à droite et à gauche. Et c'est à ce moment-là que l'accident peut survenir. Votre enfant curieux qu'il est, va être derrière vous et à ce moment-là, il peut se brûler, il peut recevoir la chorba au moment où vous la transportez de la cuisine, peut-être à la salle à manger. Il peut se brûler avec de l'huile, ce qui cause des brûlures profondes car le degré de d'ébouillantement de cette huile est très très élevé et ça cause l'accident. Et cela peut entraîner des brûlures superficielles, ce sont celles qui font le plus mal, ou bien des brûlures beaucoup plus profondes qui ne font pas mal mais qui sont graves. La cuisine n'est pas une salle de jeu, faites très attention à quelques minutes de l'heure de la rupture du jeûne. Et si l'accident survient, eh bien, il n'y a pas mieux que l'eau. L'eau et l'eau, la brûlure s'évite sous l'eau, ça calme la douleur, ça diminue la profondeur et aussi, ça permet aussi de faire un diagnostic de profondeur.